une nouvelle fois, nous avons dû aller défendre les éleveurs auprès de l'État, auprès de nos industries agroalimentaires. Donc symboliquement, il a été récupéré des camions sur le terrain par les agriculteurs locaux, syndiqués ou non d'ailleurs, et pour véritablement montrer que sans éleveurs, on aura du mal à avoir de l'agroalimentaire sur notre territoire de la Mayenne, et que globalement, il est important qu'il y ait une vraie solidarité. Après, on a besoin que l'État soit solidaire de ces mouvements et qu'on arrête de nous montrer du doigt, voire un petit peu de persécution. On ressent le désarroi en campagne de nos éleveurs et quand on voit comment on est reçu à la préfecture par les autorités préfectorales, c'est quand même un petit peu désolant et ça ne renforce pas le lien qu'il devrait y avoir entre nous gouvernants et puis le monde rural auquel nous participons largement.